de 65 millions d'années qu'ils ont disparu de notre planète. Comment ils ont disparu? À cause d'une catastrophe naturelle qui s'est produite dans le golfe du Mexique. Et cette catastrophe, c'est une météorite d'une envergure de 10 km. Et quand elle s'est abattue dans le golfe du Mexique, elle a créé un cratère de 180 km. En créant ce cratère, elle a dégagé des milliards de tonnes de poussière sur notre planète et a empêché que la lumière du soleil frappe notre planète. Et la végétation ne poussait plus. Et comme la végétation ne poussait plus, les premiers animaux qui ont commencé à disparaître, ce sont les grands herbivores. Et comme une chaîne alimentaire subit, les grands carnivores ont suivi. Alors dans cette époque, il y avait bien sûr des carnivores, se nourrissaient de viande. Il y avait des herbivores, se nourrissaient de fougères qu'on peut voir dans le parc, et de conifères, les pins. Et il y avait aussi les pessivores. Les pessivores se nourrissaient de poissons. Alors voilà comment ils sont disparus de notre planète, et voilà de quoi ils se nourrissaient, ces animaux. Alors mon travail à moi, c'est la paléontologie. Je parcours le monde entier pour découvrir des ossements de dinosaures. Dernièrement, j'ai pu faire une fouille paléontologique avec des collègues paléontologues en Afrique du Nord. Et nous voilà chercher des ossements de dinosaures. Et un de mes collègues, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un ossement. Et moi, qu'est-ce que je découvre? Je découvre une dent de dinosaure. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir le plus souvent en Afrique du Nord comme espèce de dinosaure? Ce sont les fameux spinosaures, comme vous avez vu à l'intérieur du parc, avec le museau du crocodile, sa grande crête et sa grande queue. Alors mon collègue décide de récupérer l'ossement et moi je décide de récupérer la dent. Et je me dis peut-être que les enfants, quand ils viendront à Dinosaur Park, ça leur ferait peut-être plaisir de voir une dent de spinosaure. Vous voulez la voir, vous les enfants? Oui! Alors je vais vous montrer une dent de spinosaure. Vous allez voir, ce n'était pas petit. Voilà une dent de spinosaure. Elle fait plus de 20 cm de long. On peut bien remarquer qu'elle est bien acérée, bien pointue, car il était pessivore et à 30% il se nourrissait aussi de viande. Vu la taille de la dent, l'animal faisait la taille de 12 mètres de long. Taille adulte, bien sûr. Alors, il était semi-aquatique. Alors, semi-aquatique pour les enfants, ça veut dire qu'il vivait aussi bien sur terre que dans l'eau, mais il fallait les deux pour vivre, l'eau et la terre. Quand il se déplaçait dans l'eau, bien sûr, avec sa très grande queue pour se diriger de droite et à gauche, comme un peu comme le crocodile, et sa grande crête sur son dos qui lui permettait d'onduler, tout simplement, pour se déplacer. Alors, voilà comment il vivait, voilà de quoi il se nourrissait, ce dinosaure. Alors après cette fouille, me voilà reparti à l'aéroport pour récupérer mes billets pour revenir ici chez moi. Et j'ai un ami paléontologue, il m'appelle quand j'étais encore à l'aéroport, et il me dit, j'ai appris que tu avais fini ton travail. Oh, je lui explique que je suis en train de récupérer mes billets pour revenir. Mais il me dit, peut-être éventuellement, peut-être que tu es intéressé pour repartir sur une nouvelle aventure. Je lui dis, pourquoi pas, j'avais un petit mois devant moi. Et je lui demande où ça se trouve. Il me dit, ça se trouve en Chine. Mais ça faisait si longtemps que je n'étais pas parti en Chine. Me voilà récupérer mes billets de l'Afrique du Nord et me diriger en Chine. J'arrive dans la province de Sichuan et une ville qui s'appelle Xingong, où on peut faire énormément de fouilles paléontologiques. Et nous voilà le matin même avec mes collègues en train de fouiller le sol. Et un de mes collègues, qu'est-ce qu'il découvre? La queue d'un dinosaure. L'autre, à une trentaine de mètres plus loin, découvre le corps de ce dinosaure. Et moi, qu'est-ce que je découvre? Je découvre le crâne de ce dinosaure. On se demande comment ça se fait que ce dinosaure ait un peu dispatché à droite et à gauche. Qu'est-ce qui n'est pas normal? On réfléchit, on se dit qu'est-ce qui a dû se passer? C'est qu'il y a dû avoir un combat de dinosaures. Ça veut dire que le petit dinosaure qu'on avait pu faire la découverte sur le sol a dû se battre contre un gros dinosaure et le gros dinosaure avait dispatché des morceaux à droite et à gauche. Mais moi les enfants, je pense que vous devez connaître cette espèce de dinosaure. C'est un petit dinosaure qui fait à peu près la taille entre 80 et 1 mètre. Il court très très vite ce dinosaure-là. Il est carnivore, on le trouve en Asie et ça commence par un V. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que c'est les enfants? C'est un vélociraptor. Le vélociraptor. Alors ce vélociraptor, mon collègue décide de récupérer la queue, l'autre il récupère le corps, et moi je décide de récupérer le crâne. Et je me dis peut-être que les enfants, quand ils viendront à Dinosaur Park, ça leur ferait peut-être plaisir de voir un crâne de vélociraptor. Vous voulez le voir, vous les enfants? Oui! Alors je vais vous montrer un crâne de vélociraptor. Voilà un crâne de vélociraptor. On peut bien remarquer que les dents sont bien serrées, bien pointues, car il était carnivore. On peut remarquer par l'endroit par où il respirait de chaque côté, l'emplacement de ses yeux et l'emplacement de son cerveau qui se trouve ici. Alors messieurs, dames et les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous le passer tout près et vous allez pouvoir faire glisser vos doigts sur les dents pour vous rendre compte bien sûr qu'il était bien carnivore ce dinosaure-là et pour mieux observer ce crâne de plus près. Ce dinosaure, le vélociraptor, était un grand carnivore. Alors grand carnivore, non pas la taille, hein, mais grand carnivore tout simplement, quand il chassait en groupe et il s'attaquait à des très grosses proies. Et en même temps, le vélociraptor était très intelligent. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, les enfants, est-ce que plutôt, vous les enfants, vous voulez continuer dans la magie, les enfants? Oui! J'entends pas! Oui! Mais j'entends pas! Oui!
Super, on va continuer dans la magie. Alors moi le matin les enfants, j'aime bien faire mon petit tour du parc tranquillement. Et ce matin je décide de faire la cueillette des champignons. Alors me voilà récupérer mon petit sac, un bâton sur le sol, et me voilà me diriger dans le parc. Et je me situe à peu près au niveau du brachiosaure. Vous l'avez vu le brachiosaure avec le grand cou, dans ces environs-là. Et là je commence à chercher mes champignons tranquillement, j'avance comme on cherche des champignons. On avance, on pousse les fougères, on avance, et on observe. Et... Ah, d'un seul coup les enfants, qu'est-ce que je vois devant moi? Je ne vois pas un cèpe ni une girole. Non, je vois un œuf de dinosaure d'une quarantaine de centimètres. Tout noir, tacheté de blanc. C'était la première fois que je voyais cette couleur. Je me rapproche, je l'observe, je fais le tour. Il est intact. Le bébé dinosaure est toujours à l'intérieur. Oula, je me dis, j'espère que ce n'est pas un carnivore. Parce que imaginez-vous que les enfants, c'est un carnivore. Et que le bébé dinosaure, il sorte de l'œuf. Il risque de vous croquer les orteils. Alors je me dis, je vais récupérer l'œuf et je le place derrière la scène. Mais je me dis, c'est la même chose. Il faut toujours le surveiller. Alors je m'en vais chez moi chercher une petite caméra pour le surveiller sur mon téléphone. Et je reviens à peu près 3 quarts d'heure après, je vais pour placer la caméra au-dessus de l'œuf. Ah, c'était une catastrophe, les enfants. Le bébé dinosaure était sorti de l'œuf. Mais je me dis, si c'est un carnivore, quand les enfants vont venir à Dinosaur Park, ils vont se faire croquer les orteils. Alors me voilà chercher dans le parc ce matin. Je ne trouve pas ce dinosaure. Je me dis peut-être qu'il est toujours derrière la salle de spectacle. Et là, je commence à retirer une caisse, une autre boîte. Et d'un seul coup, les enfants, j'entends un bruit. J'entends cric, cric. Oula, je me dis, est-ce que c'est mon chien? J'appelle mon chien. Le chien. Non, ce n'est pas mon chien. Je me dis, mais si c'est le dinosaure et s'il est carnivore, il va me croquer les doigts. Alors j'avais très peur, les enfants. Comme il restait une dernière caisse devant moi, tout en tremblant de peur, je retire la caisse. Devant moi, les enfants, un bébé dinosaure d'une quarantaine de centimètres, apparemment tremblant de peur ou de froid. Mais je me dis, est-ce que c'est un carnivore ou un herbivore? Je me rapproche, je l'observe, mais non, c'est un herbivore, je le récupère, mais je me dis, bien sûr, où j'ai trouvé l'œuf, les enfants? Je l'ai trouvé près du brachiosaure. C'est un jeune brachiosaure de la famille des grands coups. Et comme il avait très froid, je lui fabriquais une petite veste pour le réchauffer. Et d'un seul coup, j'ai eu une idée. Je me dis peut-être que les enfants reviendront à Dinosaur Park. Ça leur ferait plaisir de voir ce dinosaure. Mais vous, les enfants, vous voulez pas le voir, ce dinosaure? Si! J'entends pas! Si! J'entends pas! Si! Superbe! Alors, pour voir ce dinosaure, les enfants, il va falloir me donner un petit coup de main. Est-ce que vous voulez me donner un coup de main, les enfants? Oui! J'entends pas! Oui! Superbe. Alors vous allez rester à votre place, mais comment on va faire? Moi, ce petit dinosaure, je vais surnommer Toby. Et Toby, comme c'est un bébé dinosaure, il mange et il dort. Actuellement, Toby doit dormir. Alors il faut bien le réveiller. Alors comment on va faire? On va tous compter ensemble, les enfants. 1, 2 et 3. Et on va tous frapper dans nos mains et on va crier très fort. Toby, réveille-toi. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Toby, réveille-toi. Toby, réveille-toi. Toby, réveille-toi. Toby, réveille-toi. Toby, réveille-toi. Tout ça, les enfants, ils ne vous entendent pas. Oui, super, très bien, les enfants, il s'est réveillé. Oui, Toby. Mais oui, Toby, ils t'ont réveillé, les enfants, mais c'est normal, parce qu'ils sont impatients de te voir, mon grand. Allez, on est parti voir les enfants. Super. Voilà, Toby, les enfants. Voilà le jeune brachiosaure de la famille des grands coups. Alors, grand coup, pourquoi? Parce qu'il a un très, très grand coup, Toby. Alors, Toby, actuellement... Non, tu vas tomber. Non, tu te tiens, bébé. Actuellement, Toby, il fait une taille d'une quarantaine de centimètres. Il va faire la taille de 22 mètres de long. Il va être très, très grand et très, très gros. Alors, Toby, lui, a le nourri d'un petit biberon de lait toutes les 2 à 3 heures, comme c'est un bébé dinosaure. Et quand il va commencer à grandir, on va le nourrir de fougères. Et quand il va être très, très grand, il va se nourrir de conifères. Voyez les pas. Il va se nourrir de pain. Vous avez remarqué, les enfants, je lui fabriquer la petite veste ce matin parce qu'il avait très, très froid. Mais non, Toby, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer, ce n'est pas moi. C'est les enfants qui ne veulent pas te caresser. Non, ils ne veulent pas te caresser, les enfants. Non, mon Toby, c'est dommage qu'ils ne veulent pas te caresser. Non, non. Tu vois, tu entends, les enfants ne veulent pas te caresser. Vous voulez le caresser, vous, les enfants? Oui. Mais moi, j'entends pas. Oui. J'entends pas.
Super. Mais je croyais que vous ne voulez pas caresser Toby, c'est pour ça. Mais non, Toby, je veux bien te caresser les enfants. Oui, tu es content. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va passer près des enfants et ils vont pouvoir te faire une caresse. D'accord, mon Toby? Oui, je sais que tu es content de voir les enfants. Vous allez voir les enfants. Mettez les gens, police, viens ici. Non, non, on n'embête pas les gens. Non, police, non, sois sage. Non, police. Non, police, couchez. Non, on est sage, police, non, on n'embête pas les gens. Police, non, police. Non, allez, on n'embête pas les gens. Oh là là, police, non, on n'embête pas les gens. Police, à ta place. Non, police, pas le monsieur, viens ici. Non, on n'embête pas les gens. Police. Oh, qu'est-ce que tu es embêtant. Allez, à ta place, police. Allez, hop. Police. Viens le papa, calme-toi. Police, calme-toi. Non, on se calme, police. Sois sage. Tu n'embêtes pas les gens. Mais tu vois, tu cours partout, tu embêtes tout le monde. Ce n'est pas correct. Alors, en plus, tu n'es pas obéissant. Tu sais ce qu'on va faire. Comme tu n'es pas obéissant, eh bien, on s'en va. Allez, tu me suis et on s'en va, Paulus. Allez, tu viens avec moi. Oui, tu viens avec moi. Très bien, Paulus. Paulus, mais où il est, Paulus? Oh, ça y est, il nous fait la tête de cochon. Paulus, je t'ai expliqué que tu ne peux pas rester ici. Tu embêtes tout le monde. Alors, on s'en va. Debout, Paulus. Quoi, non? Debout, Paulus. Non! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas fatigué? On l'a remarqué, là, tu as couru un peu partout. Ah, peut-être que tu es malade. Je vais te prendre la température. Oh là là! Oh, Paulus! Non, Paulus, reste à ta place! Non, n'embête pas les gens! Paulus, n'embête pas les gens! Paulus, non! Non, Paulus! Viens ici! Non, Paulus! N'embête pas les gens, Paulus! Allez, à ta place! Non, Paulus, n'embête pas les gens! Non, Paulus, viens ici! Allez, à ta place! Allez, Paulus! Allez, à ta place, Paulus! Très bien! Allez, couchez, Paulus, couchez! Quoi, non? Couchez! Voilà, très bien, Paulus! Mais bon, Paulus, couchez! Très bien! Allez, je te prends la température, sois gentil! Allez, superbe! Ah, c'est vrai que c'est à la queue au dinosaure! Mais, Paulus, tu n'as pas de température! Tu n'es pas fatigué! Mais qu'est-ce que tu as, Paulus? Mais qu'est-ce qu'il a, à votre avis, les enfants? Il veut rester! Il a faim, vous croyez, les enfants? Oui! J'entends pas! Oui! Vous voulez qu'on lui demande s'il a faim, les enfants? Oui! J'entends pas! Oui! Vous avez peur, vous, les enfants? Non! J'entends pas! Non! Super! On va lui demander voir s'il a faim. Peut-être que vous avez raison. Paulus, est-ce que tu as faim? Oui, tu as faim, très bien, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, Paulus! Mais Paulus, je ne peux pas manger des gens, Paulus! Non, tu ne peux pas manger des gens, Paulus! Allez, à ta place! Non, Paulus, non! Non, Paulus, pas le monsieur! Paulus, tu ne peux pas manger des gens! Allez, viens ici, à ta place! Voilà, très bien, mon Paulus! Allez, mais où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là! Paulus! Viens ici! Non, Paulus! Tu ne peux pas manger des gens. Allez, à ta place. Non, police. Allez, viens ici. Allez, viens. Oh, qu'est-ce que tu es embêtant. Allez, viens à ta place. Oh, tu embêtes tout le monde, police. Allez, sois sage. Allez, calme-toi, tranquille, police. Écoute, si tu as faim, derrière la salle, j'ai une belle salade. Est-ce que tu veux une salade? Ah, peut-être que tu veux une belle tomate, alors. Non plus, mais qu'est-ce qu'il veut, les enfants? Ah, c'est vrai qu'il est carnivore! Oh là là, Paulus! Non, pas le monsieur! Tu ne peux pas manger le monsieur! Non, Paulus! Viens ici! Allez, tu vas venir avec moi et cette fois-ci, on va te donner à manger, on va te décongeler une belle entrecôte! Allez, bien saignante, l'entrecôte! Allez, viens, mon Paulus, super! Non, Paulus, allez, viens! Voilà! Très bien, mon Paulus! Voilà, super! Ouh, là, on est tranquille, les enfants! On va lui donner. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to.